أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل bien alhamdulillah j'espère que vous allez tous bien mes frères et sœurs voilà musulmans comme chrétiens voilà je dis bien comme chrétiens parce que même si nous sommes pas frères donc dans la foi nous sommes frères dans l'humanité parce que nous sommes tous descendants d'Adam et c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lors de son pèlerinage d'adieu voilà donc qui nous a inculqué qui nous a enseigné vraiment cette fraternité universelle là dans le dernier paragraphe donc de son discours parce qu'il a dit ya ayyuhan nas hu um inna rabbakum wahid votre seigneur Allah est unique wa inna abakum wahid ainsi que votre père Adam est unique vous êtes tous descendants d'Adam la fadla li arabiyyi ala ajamiyyi wa la li ajamiyyi ala arabiyyi wa la li aswad ala a'mar wa la li a'mar ala aswad illa bittaqwa wa khayrukum indallahi atqakum Bien qu'étant arabe lui-même nous dit clairement, l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Bien, donc ce soir, nous sommes ici, Inch'Allah, bi'iznillah, pour une belle correction. Je dis bien une belle correction. Donc, partagez ce direct-là. C'est-à-dire que ce direct-là, vous devez le partager au maximum. Parce que c'est un frère chrétien ici qui n'est vraiment pas un être humain. Vous, vous allez juger quel genre de créature il est. C'est pas moi qui vais vous dire, mais il n'est pas un être humain pour moi en tout cas. À cause des propos qu'il a proférés. Parce que quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules, quelqu'un qui a ce qu'on appelle le discernement, quelqu'un qui est doté de toutes ses facultés mentales, ne peut pas sortir des propos comme ça. Des propos mensongers, ok, là on peut tolérer. Falsifier les écritures, on peut comprendre. Au point d'aller insulter le Créateur, subhanallah. Mais nous, c'est un devoir pour nous d'apporter toujours l'enseignement, d'apporter la lumière, parce que le laboratoire de la DDR a été ouvert pour cela. Nous n'avons pas ouvert le laboratoire comme ça en vain. C'est le laboratoire d'analyse des Écritures Saintes. Et nous allons les traquer, comme je vous le dis à chaque arrêt. Nous allons les traquer un à un. Chaque fois qu'un commet une gaffe, il ment, il sort des versets de leur contexte. Nous allons le traquer, nous allons l'arrêter et nous allons donc reprendre ces versets-là et les remettre donc dans leur contexte normal. Donc aujourd'hui, nous serons avec... Imam Mokhtar de Koumassi, voilà, c'est son surnom, comme vous connaissez très bien. Voilà, Imam Mokhtar de Koumassi, qu'on appelle Thierry le Russophone. Thierry le Russophone. Vraiment, ce gars-là, je ne sais pas comment le qualifier. Ben, il a menti sur le Coran en disant que Allah a autorisé l'alcool et le vin dans le Coran. Les boissons enivrantes qu'Allah a autorisées dans le Coran. Et il va plus loin en disant des mensonges contre le Coran. Et donc, comme je vous ai dit, on va écouter échantillon par échantillon chaque partie de ses propos et apporter la correction parfaite. Donc, partagez, s'il vous plaît, partagez au maximum. J'ai besoin de partage là aujourd'hui, s'il vous plaît. Taguez Thierry le Russophone pour moi. Taguez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Taguez-le. Tout le monde, taguez-le. Mettez les cœurs pour protéger le direct et partagez au maximum pour que ça puisse atteindre le maximum de personnes, Inch'Allah. Parce qu'il y a des gens qui prennent les notes physiquement ici et en direct. Et puis, allez vérifier pour voir si on parle.
Alors voici le verset qui parle de siac et tout ça. Vas-y un peu. Sur un cerf, verset sur un cerf. Oui. Des fruits de palmiers. Des fruits de palmiers. Et des vignes. Et des vignes. Pour le tirer d'une poisson et une fronde. Pour le tirer pourquoi Mola? Une poisson et une fronde. Yamangouji. Une poisson et une fronde. Non, là, il parle quand il parlait de sur lui. C'est sûr. Allah dit des fruits de palmiers et des vignes. Donc Allah est en train de parler là, de vin de palme. On appelle ça bandit chez nous ici. Et il est en train de parler du vin. Allah lui-même. Frère, vas-y. Des fruits de palmiers. Oui. Et des vignes. Oui. Vous retirez une boisson et une fronde. Vous retirez une boisson et une fronde. C'est-à-dire une boisson alcoolisée. Il n'a pas dit vous fabriquez. Non. Il dit vous retirez. C'est-à-dire que c'est le verbe extraire. Ça est dedans et tu viens, tu prends. Qui a mis alcool dans bandit? Qui a mis alcool dans bandit? Question. En fait, on met palmier, on prend un peu, on met bidon avant, on baisse, et puis le vin de palme verse dedans, on prend, on boit, et puis souvent on est souris. Ça veut dire qu'il y a alcool dedans. Qui a mis dedans? Mais malgré ça, dans le Coran. Hein? Ok. D'accord, vous avez entendu avec moi. Le gars, il a été clair. Il a pris la sourate 16 à partir du verset 67. On va analyser le verset. Voilà. Allah dit Ba'da ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Il dit Wa min samarati naqili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana inna fi dhalika la'ayatan liqawmi yaqilun. Sadaqallahu al-azim. Allah dit, et des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante et une nourriture excellente. Il y a également en cela une leçon pour des gens qui raisonnent. Voici le verset coranique qui est clair. Le monsieur, il prend ce verset pour dire, Allah dit dans le Coran, des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante. Donc, Allah autorise les musulmans à prendre, à boire, à consommer les boissons enivrantes. Regardez le mensonge. Nous sommes allés à l'école. Allah, regardez le verset, hein. Ce que nous faisons du fruit des palmiers et de la vigne, c'est ce que Allah expose. Allah expose nos faits. Allah expose ce que nous faisons, mais Allah ne nous autorise pas à consommer ces boissons-là dans le verset. Nulle part dans le verset, Allah n'a dit consommer les boissons enivrantes. C'est-à-dire que ça, c'est le béaba. Un enfant de CP1, même s'il lit ça normalement, il sait qu'Allah n'a pas autorisé à qui que ce soit. Merci pour ceux qui ont partagé. Il y a un qui dit qu'il a partagé dans 7 groupes, l'autre ici. Voilà, mashallah, 12 groupes, etc. Partagez au maximum. Donc, vous voyez ici, Allah, il dit, et des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante. Allah, il dit, c'est nous les êtres humains qui tirons une boisson enivrante. Allah, il nous met face à nos faits. Allah, il nous dit ce que nous faisons de cela. Mais est-ce que dans le verset, Allah nous autorise de le faire? Non. Est-ce qu'Allah nous demande de boire? Non. Le verset est clair. C'est-à-dire, avant que je rentre même dans les détails approfondis, c'est-à-dire que la traduction simple même qui est écrite là, il n'est pas écrit là-bas, buvez des boissons enivrantes. Mais Allah, il nous met face aux faits. Voilà, venant de nous-mêmes, ce que nous faisons de cela. Ça fait un. Maintenant, nous devons savoir, ici, c'est la première traduction que je vous ai donnée. Allah, il dit que c'est nous qui faisons cela. Ça fait un. Allah n'a pas dit que c'est lui. Il dit que c'est nous qui faisons cela. Et donc, deuxièmement, ce que je vais donner comme traduction, nous allons aller dans la sourate 4 à partir du verset 43. La sourate Nisa. Parce qu'en ce moment où Allah était en train de parler donc aux Arabes, donc à travers ce verset, vous devez savoir qu'en ce moment, la boisson n'était pas, pour ne pas dire le vin, etc., n'était pas catégoriquement interdit en ce moment en islam. Ce que le frère ne sait pas, il doit faire des études approfondies encore au niveau de la religion. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, je ne parlerai même pas de Bible, je dirais que ce soit dans la Torah, que ce soit dans l'Évangile, que ce soit dans le Coran, il y a un système qu'on appelle les versets abrogés et abrogeants. Le frère ne sait pas cela. Donc au moment où le prophète alayhi salam est venu donc nouvellement avec donc la charia, donc avec la loi d'Allah dans le Coran, l'alcool n'était pas catégoriquement interdit. Mais qu'est-ce qu'Allah avait dit concernant l'alcool en ce moment? Nous allons lire ici dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ya ayyuhallazina amanu
La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Allah dit, oh vous qui croyez, ne faites pas la salate lorsque vous êtes ivre. Attendez que vous ayez retrouvé votre lucidité. Donc Allah est clair. En ce moment, ce verset nous laisse croire que Allah n'avait pas interdit l'alcool complètement, mais la condition était que si vous consommez, vous devez attendre, c'est-à-dire que l'ivresse vous quitte. C'est ce qu'on appelle être saoulé là. Vous devrez attendre que l'ivresse vous quitte d'abord, que vous soyez lucide. Donc quand les esprits ont retrouvé donc leur truc état normal, c'est en ce moment maintenant que vous pouvez venir vous arrêter sur la natte à prière, de peur que vous ne veniez vous arrêter sur la natte et vous raconter du n'importe quoi au lieu d'adorer l'Éternel. Parce qu'en ce moment, vous ne serez pas doté de toutes vos facultés mentales. Donc, l'alcool n'était pas interdit catégoriquement en ce moment-là. Parce que le Coran venait d'arriver, le prophète venait de commencer donc à sensibiliser les êtres humains. Et Allah qui nous a créés sait très bien que imposer cela tout d'un coup comme ça à l'être humain. D'abord, on n'a pas la foi, on n'a même pas encore la crainte, on ne connaît même pas encore Allah, et puis on va venir nous interdire ça tout. Non, c'était un processus. Il fallait d'abord présenter, parce que l'islam, c'est un processus d'information, de formation et d'éducation. C'est ce qu'ils ne savent pas. Je répète, l'islam est un processus d'information, de formation et d'éducation. Il fallait d'abord informer les gens. Il fallait d'abord former les gens et ensuite procéder à l'éducation spirituelle. Donc, c'était un processus à suivre. Donc, Allah, il va dire maintenant, en ce moment, dans la sourate 16, à partir du verset donc 67, « Des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante. » Ce qui est clair. En ce moment, cette boisson, les gens la buvaient, mais la condition était qu'ils ne la boivent pas quand ils sont saoulés et aller prier avec. Non. S'ils boivent, qu'ils attendent d'abord de retrouver les esprits, d'être lucides avant d'aller adorer Allah. Donc, en ce moment, ce n'était pas encore interdit. Mais malgré cela, Allah, ce n'est pas lui qui a autorisé à l'être humain de boire. Le prophète est venu trouver les êtres humains en train de boire. Allah n'a pas interdit sur le champ, il a seulement dit, si vous êtes saoulé, ne priez pas. Si vous êtes ivre, ne priez pas. Attendez de retrouver vos facultés mentales. Et dans le verset 67, Allah nous met face à ce que nous faisons. Il dit, c'est vous qui tirez des boissons enivrantes des fruits du palmier et de la vigne. Allah n'a pas dit, c'est lui qui fait ça pour nous donner. Allah n'a pas dit, allez-y boire. Et on va continuer. Toujours avec les mêmes mensonges donc, du frère Thierry le Russophone. Maintenant, ce verset maintenant de 43 de la sourate 4 sera abrogé après. Après que les musulmans maintenant vont avoir la foi, après que les musulmans maintenant vont avoir la crainte, après le processus maintenant d'information, de formation et d'éducation dans la foi et dans la crainte révérentielle, maintenant Allah il sait que les gens ont la foi, les gens le connaissent, maintenant il peut imposer des choses et puis les gens vont laisser pour sa cause parce que Allah est connu, la charia, l'islam et tout. C'est en ce moment maintenant que le verset abrogeant va venir abroger le verset 43 de la sourate 4. Et qu'est-ce qui sera écrit dans la sourate Ma'ida? La sourate 5, à partir du verset 90. Allah va nous dire, « Ya ayyuhallazina amanu !» Vous voyez maintenant, Allah s'adresse à qui? « Oh, vous qui avez cru !»« Oh, vous qui croyez !» Là maintenant, Allah s'adresse à qui? À ceux qui croient. Parce que pourquoi maintenant, ils ont la foi, ils ont la croyance maintenant. Donc maintenant, on peut leur dire, laissez l'alcool totalement. Mais dans la sourate 67, ils n'avaient pas encore la foi totale. Ils n'étaient pas encore croyants. Ils ne connaissaient pas encore la religion. Donc Allah n'a pas imposé. Mais après qu'ils aient eu la connaissance de toutes ces choses-là, mais après qu'ils aient été éduqués dans la foi, Allah s'adresse maintenant aux croyants. Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, il dit innamal khamuru. Allah il dit les boissons alcoolisées. Hein? Wal maysiru, il s'est pas arrêté là, les jeux de hasard. Wal ansabu, les betil, wal azlamu,
et les flèches divinatoires. Allah, il dit quoi? Rijisun min amali shaytani. Il dit, ne sont autre chose qu'une souillure diabolique. C'est l'impureté du diable. C'est une souillure venant du diable. Et Allah, il va nous dire quoi? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fuyez-les, vous n'en serez que plus heureux. Donc, éloignez-vous-en. Cela est meilleur pour vous et vous serez heureux. Donc Allah maintenant dans la sourate 5 verset 90 va venir abroger complètement en s'adressant à qui? Maintenant que les gens ont la foi, maintenant qu'ils ont la connaissance d'Allah, il va dire maintenant vous qui croyez, sachez que les boissons alcoolisées ne sont qu'une impureté du diable. Éloignez-vous-en. Est-ce que Thierry a étudié? Il vient prendre un verset comme ça dans le Coran. Allah a autorisé la boisson aux musulmans. C'est écrit où? Littéralement, même quand on lit le verset, Allah nous met face à ce que nous faisons, mais pas que lui nous autorise à le faire. Il dit, vous tirez du fruit de la vigne une boisson enivrante. Il n'a pas dit faites, il n'a pas dit buvez. Pourquoi il ment? Des pères de famille n'ont pas honte. C'est tellement qu'on les a frappés dans cette histoire de débat interreligieux. Ils ne savent plus où sortir. Donc, il faut faire des vidéos comme ça. Et aujourd'hui, leur spécialité, c'est de monter maintenant des vidéos. C'est-à-dire monter des mensonges. Et même, ils prennent, c'est-à-dire que tes conférences, tes prêches, et puis ils coupent la vidéo quelque part là-bas et puis ils balancent. Pour faire croire aux gens que c'est ce que tu as dit. C'est comme la dernière fois, il y a l'autre, l'ouvrier de la dernière heure, qui a coupé une de mes vidéos. Là où j'étais en train de dire, Allah a demandé à Muhammad de demander pardon. Allah a dit à Muhammad de demander pardon pour ses péchés. J'étais, c'est comme ça que c'est écrit en traduction française du Coran. J'étais prêt maintenant à donner les détails. Il a coupé la partie là. Et il dit aux gens, vous voyez, la DDR reconnaît qu'Allah a demandé à Muhammad de demander pardon à ses péchés. C'est un pécheur, vous voyez. Ils sont méchants ces gens-là. Et nous, on est là, on ne sera pas fatigué. On va les traquer, on va les corriger. Donc on va continuer avec les mensonges de Thierry le rusophone. On va continuer. Et Allah va continuer dans la même sourate 5 à partir du verset 91. Allah va dire, le démon n'a d'autre but que de s'aimer par le vin et le jeu des hasards, la haine et la discorde parmi vous, et de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la sourate. Vous voyez pourquoi dans la sourate 443, Allah avait dit, si vous êtes saoul, ne vous approchez pas de la sourate. Parce que par le moyen du vin, le shaitan vous fait oublier Allah, la sourate et tout. C'est pourquoi Allah il avait commencé à éduquer un peu, jusqu'à ce que, après que les gens ont eu la foi, il interdit maintenant catégoriquement l'alcool. Tout ce qui est boisson alcoolisée. Bien. Et donc, même dans la sourate 2, à partir donc, du verset 221, si je ne m'abuse, je vais vérifier après. Voilà. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Yas'alunaka anil khamri, il dit wal maysiri. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا تنفقون قل العفو etc etc. Donc Allah dit, il t'interroge sur le vin et le jeu des hasards. Réponds-leur, dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché. Dans les jeux des hasards, comme dans les boissons alcoolisées, Allah il dit dans l'un et dans l'autre, il y a un grand péché. Et les grands péchés, on les appelle el-kabair. Et quelqu'un qui commet ces péchés, les kabair, et qui meurt dedans sans se repentir, c'est l'enfer. Donc, aucunement dans le Coran, Allah n'a autorisé la boisson à qui que ce soit. Ok. Et voilà. On va essayer de continuer encore. Donc, on a déjà corrigé ça. Voilà, ces mensonges-là. On va avancer. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Un bistrot quand même, mes frères. Ils sont dedans. Ils disent qu'ils vont creuser d'abord avant d'aller au vin. Et que le creusement là aussi, on est là, on dure, il ne finit pas de creuser. C'est quoi ça? C'est pas même le diable encore. Frère, vas-y, verset 69 pour qu'il y ait un temps. Oui. 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 Manger, mais tout n'est pas de fruits. Une phrase qui commence par un verbe conjugué est une phrase impérative. Allah ne demande pas votre point de vue. Il dit manger. Oui. Manger de toute espèce de fruits. Manger de toute espèce de fruits. Et suivez les sentiers de votre Seigneur. Et suivez les voies de votre Dieu. De leur ventre. De leur ventre là. Sans de liqueur. Sans quoi? Une liqueur.
Toto dit. Liqueur. Dis ça. Liqueur. Dites-moi si c'est liqueur là, il n'y a pas l'alcool dedans, mes frères. Ça, ça c'est le courant, hein. Soit une quoi? Une liqueur. Mais Allah va pas s'arrêter là. Allah va faire la description. Hein? Il va donner les signes distinctifs de cette liqueur en question. C'est pas n'importe quelle liqueur. Allah n'est pas là. C'est pas vodka, hein. C'est pas les trucs. Non, lui va dire le nom de sa liqueur. Allah merci. Non, Allah, c'est pour savoir souvent j'aime ton affaire. C'est vrai que tu es maudit, mais souvent tu fais des bonnes choses. C'est ça. Frère, vas-y un peu. Vous voyez ce maudit-là, l'injure qu'il a proférée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez entendu? En fait, c'est des gens comme ça que les autorités doivent empêcher de faire des débats interreligieux. Tu ne vas jamais voir la DDR proférer une injure comme ça envers même le Dieu que les chrétiens adorent. Tout ce qu'on va te dire, il n'est pas Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. L'Éternel n'est pas un être humain, tant en temps, etc. Mais un musulman ne peut pas insulter, proférer une injure. Et même si un musulman le faisait, on devait l'arrêter aussi. C'est-à-dire, quand je dis arrêter, suspendre ces choses comme ça. Parce que c'est des gens de mauvaise foi comme ça qui créent des tensions et autres choses après. Mais nous allons le recadrer ici. C'est pas son injure même qui m'intéresse ici. Ça, c'est entre lui et puis le Créateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mensonges-là que je vais donc effacer et rétablir la vérité. Donc, il dit maintenant à son lecteur d'aller au verset 69. Il a fini de mentir au verset 67, donc on a expliqué ça, c'est clair maintenant. Il va dire à son lecteur d'aller au verset 69 et regarder ce qui va se passer au verset 69. Il va dire, « Butinez ensuite de toutes les fleurs et suivez en toute humilité les voies de votre Seigneur. De leur abdomen est sécrétée une liqueur de diverses couleurs et aux effets salutaires pour les hommes. » Donc ici, il prend ce verset-là et puis il lit la partie où c'est écrit « De leur ventre ou de leur abdomen est sécrétée une liqueur. » Et il se met à crier « Une quoi ? Une liqueur. Une quoi ? Une liqueur. » Allah il dit « C'est une liqueur qui sort de leur ventre. » Vous voyez ? Et le Coran dit « C'est une liqueur qui sort de leur ventre. » Donc Allah autorise la liqueur. Est-ce que vous écoutez ce malade mental-là? Et ici, d'abord, est-ce que si c'est liqueur dont lui parle là, liqueur que lui boit au maquis là, c'est dans l'abdomen des êtres humains, ça sort quoi? Est-ce que vous écoutez ce malade mental-là? Que Allah dit de leur ventre est sécrétée une liqueur. Et puis il répète une liqueur, dont Allah autorise la liqueur aux couleurs variées. Est-ce qu'il est normal? Liqueur que lui boit là, c'est dans le ventre des gens, ça sort. C'est pipi. Les gens s'arrêtent pour uriner ça et puis recueillent pour boire liqueur là. C'est que lui boit là, au maquis là. Pourquoi les gens sont malades comme ça? Le verset n'a rien à voir avec l'être humain, le verset 69. Et vous allez voir pourquoi le verset n'a rien à voir avec l'être humain. Au verset 68, voici ce qui est écrit. La sourate même là, c'est la sourate 16. Et le titre de la sourate 16 là, c'est sourate Nahali. Nahali en arabe, ça veut dire les abeilles. Donc Allah il dit wa auha rabbuka ila nahali. Donc il dit et ton Seigneur a inspiré aux abeilles. C'est la sourate des abeilles. Donc le verset 68 parle des abeilles. Et Allah, il est clair. « Wa auha rabbuka ila nahali » Ton Seigneur a inspiré aux abeilles. « Anitakhizi min al-jibali buyutan » Il dit « Prenez des demeures dans les montagnes. »« Wa min al-shajari » Dans les arbres. « Wa mimma ya'rishuna » Et dans les treillages que les hommes érigent. Que ce soit dans les trous de plafond des maisons, etc. et tout. Donc voilà, partout vous pouvez être à l'aise, vous regrouper et puis pouvoir donner donc du miel, etc. Voilà, dans les trous d'arbres, sur les branches d'arbres, dans les montagnes, etc. Donc Allah, il s'adresse ici aux abeilles. Et c'est ce verset-là même dont le nom de la sourate même porte, la sourate des abeilles. C'est le verset 68 là. Allah, il s'adresse ici aux abeilles.
Au verset 69 maintenant, il va t'expliquer maintenant les mêmes abeilles là. Quand ils sont assis et tout, ça dit que eux, c'est à partir des fleurs là. Ce sont les fleurs là qu'ils utilisent pour faire leur miel. Quand les arbres commencent à fleurir là, etc. là, hein, la science démontre cela. Et donc Allah il va dire de leur ventre au verset 69, ça dit que les abeilles là, de leur ventre est sécrétée une liqueur aux couleurs variées. Il parle du miel, ce qui sort du ventre des abeilles. Ça a quoi à voir avec l'être humain? Mais les gars là sont des malades mentaux. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. Allah il dit de leur ventre est sécrétée une liqueur. Il parle ici du ventre des abeilles. Le miel qui sort du ventre des abeilles là. C'est de ça qu'Allah il parle ici, la liqueur qui sort de leur ventre. Il parle des abeilles. Sinon, la liqueur que lui boit au maquis là, ça sort dans le ventre des êtres humains. Au moins, c'est le producteur de maquis là qui s'arrête pour pisser et puis il vend ça, les gens boivent, ça les saoule. C'est cette liqueur. Il s'arrête devant les gens ici avec une veste façon comme s'il comprend français. Alors qu'il est nul en langue française. Ça, c'est le béaba seulement, tu ne connais rien. Hein? Donc, ça n'a rien à voir. Voilà des gens comme ça. Et donc, on va l'écouter un petit peu encore. Amour profond. Tout le monde n'est pas les gens. Avant de citer, boire alcool, là, c'est un péché. L'argent. Vas-y un peu. Voici la décision du paradis. Voilà. Voici la décision du paradis islamique. Qui a été promis aux musulmans. Il aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante. Des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable. Quand il dit et, il va aller à la fin. Allah, c'est pourquoi il a mis ce qui vient là à la fin. Vous pensez qu'il est KO. Et quoi? Des ruisseaux d'un vin. Acclamé Allah. Regardez-moi un gars comme ça. Il prend la sourate 47 à partir du verset 15 où Allah il dit, et Allah il donne la description du paradis. Il finit de mentir et puis il dit acclamer Allah. Et puis les gens sont en train d'applaudir. Les ignorants sont autour de lui. Il dit la DDR va faire feu. On va frapper ceux-là où qu'ils rentrent, où qu'ils sortent. C'est-à-dire qu'ils vont nous croiser, quel que soit où ils sont. On va rétablir toujours la vérité comme ça. Ces ignorants-là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'a pas de problème. Notre seule arme là, c'est la connaissance. C'est ça nous on connaît. Et c'est avec ça qu'on va les frapper. Le laboratoire de la DDA a été créé pour ça. Pour la correction, pour examiner les écritures saintes. Recadrer tous ceux qui sortent les écritures de leur contexte pour en faire un prétexte. Restons dans le laboratoire, travaillons toujours. Et donc, on va voir ici, voilà, ce qu'Allah va nous dire. Il va dire « Masalul jannati leti » وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين etc etc. Donc Allah il dit ici, écoutez très bien, voici l'image du paradis promis aux croyants. Il y coulera des ruisseaux à l'eau toujours pure et limpide. Des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Donc, comme Allah il dit, dans le paradis, il y aura des différents ruisseaux. Il y aura un ruisseau de lait, ainsi de suite, etc. Jusqu'à venir parler maintenant de ruisseaux de vin. Donc, je vais relire encore. Donc, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Et donc, une fois de plus encore, il va dire, oui, même Allah dans son paradis là, il dit, il y a alcool là-bas. Vous avez entendu d'alcool ici? Vous avez entendu ici un vin alcoolisé? On va lui donner, c'est le Coran qui s'explique de lui-même. Nous, on appelle ça tafsir le Coran, mais le Coran. Il y a vin chez Allah dans son paradis. Mais une fois que tu as bu vin des êtres humains sur la terre, là, toi, ta récompense est l'enfer. Tu n'as pas boire vin d'Allah dans son paradis là. Toi, tu n'as pas boire ça. Ce que vous fabriquez pour boire ici là, pour vous enivrer là, pour aller commettre n'importe quoi, la fornication, l'adultère, tout ce qui va avec là.
Allah dit, si tu as bu pour ici, là, tu vas pas boire pour Allah. Parce que pour ici, là, ça te mène à l'enfer. C'est une impureté du diable. Sura 5, verset 90 à 91. Maintenant, le vin d'Allah, là, c'est quel genre de vin? Allahu Akbar. C'est trop intéressant, mon frère, rusophone. Tu sais pas. Tu connais pas. Faut nous demander. Hein? Ça dit qu'on ne peut pas avoir deux bénéfices dans un œuf. Tu as grillé œuf là. Et puis maintenant, tu veux faire cuire à eau encore pour manger. C'est impossible. Tu veux faire bouillir pour manger. Tu veux griller œuf là pour manger. Comment tu peux? C'est impossible. Une fois que tu as fini de griller l'œuf là, tu ne peux plus faire bouillir. Une fois que tu as fait bouillir l'œuf là, tu ne peux plus griller. On ne peut pas prendre deux bénéfices dans un œuf. Tu veux boire l'alcool d'ici là, tu vas aller boire pour Allah. Non, non, non. Si tu as bu pour les êtres humains, tu ne boiras plus pour Allah. Maintenant, l'alcool, le vin d'Allah, là, excusez-moi, le vin, voilà, c'est son terme alcool, il a utilisé là, qui est resté sur ma langue. Le vin d'Allah n'a rien à voir avec les boissons alcoolisées que tu bois, c'est avec l'alcool que tu bois ici. Le vin d'Allah au paradis n'est pas alcoolisé. Le Coran va t'expliquer ça de lui-même. Allons-y avec le Coran. Nous allons prendre la sourate 56. Qu'est-ce qu'Allah va nous dire? À partir du verset 19. Allah, il dit, Yatufu alayhim wildanun mukhalladuna. Il dit, parmi les habitants du paradis, il y aura une multitude d'élus parmi les premiers. Donc, etc. Il dit, il y aura des jeunes, des enfants. Parmi les habitants du paradis, il y aura des enfants qui circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse. Donc ce sont des enfants qui vont circuler parmi les habitants du paradis. Mais ce sont des enfants qui sont là éternellement jeunes. Wildanun mukhalladun. Donc ce sont des enfants mukhalladun qui seront éternellement jeunes. Et Allah dit, quel est leur rôle dans le paradis? Il va commencer à citer ici. Avec des calices, des aiguilles et des coupes remplies d'une liqueur exquise. Allah est clair, c'est d'une liqueur exquise. Donc, il y a effectivement liqueur au paradis. Oui, on est d'accord. Mais est-ce que c'est comme liqueur que toi, tu prends au maquis ici, là, tu roules le russophone? Non. Est-ce que c'est alcoolisé, ça saoule? Non. Tes liqueurs, quand tu prends, tu pisses dans ton pantalon seul, là. C'est pas ça. Tes liqueurs, quand tu finis de boire, tu chies sur toi, là, c'est pas ça. Tes liqueurs, quand tu finis de boire, tu vomis pour salir tout drap dans la maison sur toi-même, c'est pas ça. Liqueurs, quand tu finis de boire, tu marches sur la route, là, tu vas à gauche, à droite, là, c'est pas ça. Liqueurs, même quand tu finis de boire, les mouches sont derrière toi comme ça, là, c'est pas ça. Faut écouter, Allah, il va t'expliquer pour lui. Il dit, « La yusodda'una anha wa la yunzifoun » Allah il dit, dont ils ne seront ni déprimés ni enivrés. Aïe, tu ne comprends pas français. C'est le Coran qui s'explique de lui-même. Allah il dit, cette liqueur, quand tu bois là, tu n'es pas déprimé, tu n'es pas enivré, tu n'es pas saoulé, rien. Ça ne te crée aucun problème. Ça dit que tu es lucide, tu es normal, tu as toutes tes facultés. Ça dit que tu es, d'après les gens, tu es kené-kené quoi, tu es en forme, tu es là, clair. Tu ne vas pas vomir, tu ne vas pas pisser, tu ne vas pas chier sur toi, tu ne vas pas aller à gauche, à droite. Non. Allah est clair. Ça n'a rien à voir avec les conneries que vous buvez ici, là. Ces maladies que vous prenez pour remplir vos ventres, là. Allah dit, tu n'es pas déprimé, tu n'es pas saoulé, rien. Ça, c'est pour Allah. N'importe quoi. Vous venez mentir aux gens ici comme si vous connaissez la parole. Je vous ai dit, le laboratoire est ouvert pour vous. Maintenant, demain, on va laisser le Coran un peu. Allons dans la Bible même. Ils sont en train de vous mentir ici que l'alcool est autorisé dans la Bible. Là, c'est archi faux. Le vin n'est jamais autorisé dans la Bible. L'alcool n'est jamais autorisé. Toutes les boissons alcoolisées sont interdites dans la Bible. Je vais vous donner des versets jusqu'à vous, mais vous allez me demander pardon d'arrêter comme ça. On commence ici avec Juges, chapitre 13, à partir du verset 14. On va lire ensemble. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. C'est la Bible qui parle. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Hein? Je reprends le verset. Elle ne boira d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Quand il crie là-bas, Allah il dit liqueur dans le Coran.
De leur ventre sort une liqueur. Il parle des abeilles. La liqueur dont Allah parle ici, c'est le miel. Il pense que la liqueur qu'ils boivent pour se salir, pour se saouler au maquis, là, c'est ça. Hein? Depuis quand cette liqueur-là sort dans le ventre des gens? Maintenant, ici, voici ta Bible même qui t'interdit liqueur. Tu n'as pas vu ça? Tout ce qui est liqueur forte est interdit. Et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 33, leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Alors, c'est quel genre de vin? Toi, tu bois là-bas. Tu n'as pas entendu ça ici dans Deutéronome chapitre 32, verset 33? Leur vin, c'est le venin des serpents. Arrêtez ces conneries-là que vous buvez là. La Bible même vous interdit ces choses-là. On va continuer dans Juges chapitre 13, verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Toutes ces choses-là sont des impuretés. Allah vous a parlé dans la Sourate 5, de suite, verset 90, que le vin et tout ça là, ce sont des impuretés du diable. Éloignez-vous-en. Voici la Bible qui répète la même chose ici. Ne bois ni vin, ni liqueur et ne mange rien d'impur. Tout ça, c'est des impuretés. On va continuer. Dans Nombre, chapitre 6, à partir du verset 3, voici ce qui est écrit. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Est-ce que vous avez écouté? Je reprends le verset dans Nombre 6, verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Pourquoi il interdit les boissons enivrantes ici? Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il répète encore. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, etc. Allons à Deutéronome 29 à partir du verset 6. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez ni bu. Et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Je répète le verset encore. Deutéronome 29, verset 6. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin, ni liqueur forte. Est-ce qu'il sait qu'on ne doit pas boire ça dans la Bible? Et pourquoi il ne doit pas boire? Afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu vas rester un soula ici et puis connaître Dieu. Tu finis de boire et puis tu viens prendre les versets là, tu les regardes de travers, tu les sors de leur contexte pour en faire un prétexte. Dans Juges chapitre 13, à partir du verset 7, voici ce qui est écrit. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi il dit, faut pas avoir mettre vin et puis liqueur forte dans son ventre? Parce que l'enfant qui sera dans le ventre doit être consacré à Dieu dès même le ventre de sa maman, il sera déjà consacré à Dieu. Donc si dans le ventre, l'enfant est déjà consacré à Dieu, tout ce qui est vin et puis liqueur ne doit plus rentrer là-bas. Donc partout où l'homme de Dieu est, il ne doit pas s'approcher du vin et de la liqueur. Le verset est tellement clair et explicite. Je vous ai dit, c'est vous-même qui allez me demander pardon de laisser comme ça. Allons encore dans Proverbes chapitre 23 à partir du verset 20. Ne bois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Chapitre 31, verset 4, même proverbe. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de chercher des liqueurs fortes. À plus forte raison, toi un savant, toi un homme de Dieu, c'est toi qui t'approches de ça. C'est toi qui consommes ça. N'importe quoi. Dans Proverbe chapitre 31, verset 6, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans son âme. Je pense que c'est mieux pour tirer le rhizophone parce que lui, qui est en train de périr, c'est à lui qu'on doit donner les liqueurs fortes à boire. Avec des propos comme ça, c'est quelqu'un qui est malade mentalement. Allons avec Ésaïe chapitre 5, verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Malheur à eux. Tu as entendu heureux à eux ici, Thierry le rusophone. Taguez-le, il va venir ici. Ça, c'est ta Bible. Tu viens, avant de venir toucher le Coran, ta Bible même t'interdit. Tu sautes les versets là-bas, puis c'est dans le Coran, tu viens autoriser une connerie comme ça. Je répète le verset. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 5, verset 11,
Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Malheur à vous qui buvez pour vous saouler. On dit malheur à vous dans la Bible. C'est l'enfer qui va vous attendre si vous ne vous convertissez pas. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 12. La harpe et le luth, le tambourin et la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est des conneries comme ça. Dans Ésaïe chapitre 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler les liqueurs fortes. Thierry, est-ce que tu comprends français? Je répète, Ésaïe 5, 22 te dit « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. » Si toi, tu as pu avoir la bravoure pour boire du vin, on dit « Malheur à toi, Thierry. » Et de la veillance pour mêler les liqueurs fortes. Liqueurs, tu es en train de crier pour mentir que c'est dans le Coran. Là. On te dit, la Bible même te dit ici que « Malheur à toi si tu touches à une liqueur. » Ésaïe 28, verset 7. « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. » Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Comme les gens, comme les Thierry, comme ça. Ils disent qu'ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont hommes de Dieu. Et c'est dans les conneries comme ça qu'ils sont. Donc, je vais donner un dernier verset encore et puis je vais m'arrêter là parce que c'est trop. C'est tellement dans la Bible que je ne peux pas tout donner. Dans Jérémie chapitre 35, verset 6, il est écrit « Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rekab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. » Tous ceux qui avaient la tête sur les épaules, qui étaient des hommes de Dieu dans la Bible, ont interdit le vin à leur descendance, et l'Éternel l'a interdit catégoriquement, donc également aussi dans la Bible. Donc c'était juste cette belle correction que je voulais donner à ce gars-là, ce malade mental de Thierry Rousseau-Forme, ce menteur-là. Et donc qu'Allah ait pitié de lui et que Allah lui fasse jusqu'à présent encore découvrir la vérité, Inch'Allah. Qu'Allah continue de nous donner la force à pouvoir entrer dans le laboratoire pour établir la vérité, Inch'Allah. Qu'il fasse que tout ce que nous faisons ne soit pas de façon ostentatoire et qu'il ne récompense pas le Firdaus, Inch'Allah. Salam alaikum.